Quand tu sais que tu es en danger, tu sais que tu n'es plus en danger. Plus en danger, tu n'es plus en danger. Plus en danger, c'est quand tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas que tu ne sais pas que c'est là où tu es en danger. C'est quand tu ne sais pas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à ce qu'on attend du Cameroun, le Cameroun fait partie des 5 plus grandes nations africaines. On est en situation où l'équipe a fortement déçu. Donc, c'était dans l'air. La canne, disons-le, parce qu'elle vient d'avoir lieu. Après, je veux bien mettre des bémols, mais c'était dans l'air. C'était dans l'air. Et en général, soit la fin de la canne ou l'après-canne, en général, c'est là qu'il y a l'hécatombe des sélectionneurs. Après, donc, lui, il n'était pas là depuis longtemps. Deux ans. On aurait peut-être pu penser. Ouais. Il l'a dit quand même, il l'avait déclaré juste avant la CAN. Il y a eu une Coupe du Monde, il y a eu des éliminatoires. Ouais, mais et Coupe puis du Monde, eu... c'était pas si catastrophique. Ils ont battu le Brésil. Ils ont fait des choses quand même. Et avant la CAN, il avait dit, on est en reconstruction. Moi, quand je regarde l'équipe du Cameroun, quand je regarde le dernier match contre la Gambie, déjà, ils vont en huitième de finale, c'est pratiquement un miracle. Bon, après, contre le Nigeria, ils n'existent pas. Mais quand tu vois les joueurs sur le terrain, eh, moi, je dis, il n'y a pas beaucoup de talent. Ça quand même souvent. Sont où les stars? Mais il y en a pas. Ça a souvent... que je te dis ça. Non, alors ça a souvent été des miracles en faveur quand même de Rigobert Song, mais il y avait aussi peut-être des choix. On parle de stars. Alors une des stars, qu'on le veuille ou non, c'est Choupo-Moting qui joue au Bayern et qui n'était pas à la dernière CAN. Non, mais il y a plusieurs grilles de lecture. Bon, la première, le préalable à tout, c'est vrai qu'il y a une baisse en termes de qualité au niveau des individualités au Cameroun. Générationnellement, ils ont connu des joueurs d'un autre niveau, des joueurs de niveau de Ligue des Champions. Là, c'est vrai qu'on les compte sur les doigts d'une main. Et surtout, quand il y en a très peu, vous êtes en conflit avec eux. Avec Anguissa, ça n'a jamais été très clair. Avec Onana, ça n'a jamais été non plus très clair. Rigobert Song, c'est le miracle permanent. C'est-à-dire que les résultats, ils ne sont pas si catastrophiques que ça. Mais c'est comme une voiture qui arrive un peu trop vite à l'entrée d'un virage. On pense que ça ne va pas passer, mais elle finit toujours par passer. Bah, ça a été ça, le Cameroun, ces derniers temps. Il y a l'impression visuelle également, ce qui est proposé en termes de football, qui est très en deçà de ce qu'on peut espérer d'une telle nation. On a vu la différence notamment face au Sénégal lors de la dernière CAN. Pourtant, le Sénégal ne va pas plus loin non plus, mais on avait une sensation de leçon de football. Pas match. Ensuite, il y a également aussi, et il ne faut pas oublier de le dire, une situation politico-sportive avec aussi un président qui pour le coup voit son homme Rigobert Song partir et donc il est fragilisé, c'est Samuel Eto'o, mais je pense qu'on va y revenir. Maintenant le Sénégal doit se remettre le Cameroun doit également se remettre au travail au niveau de la base, au niveau de la formation, fait aujourd'hui le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Cameroun, c'est un pays qui a un peu une ADN de champion et qui pense que sur ses acquis, parce que c'est le Cameroun, ça va passer. Parce que les autres, en fait, ils ont bossé et vous bossez un peu moins. Ça suffit plus. Bon, le potentiel, évidemment, il est là. On connaît le Cameroun et Moyen, il est là. Ouais. C'est pas médiocre. C'est moyen. Pas nous. Ça reste. C'est moyen. Moyen. Voilà. Mais moyen plus. Il sauve la face. Mais c'est en deçà de ce qu'a été le Cameroun, tout simplement. On avait l'impression quand même que cette équipe, elle manquait de capitaine, elle manquait de quelque chose. De capitaine, de leader, je dirais plutôt, parce que capitaine, évidemment, il y en a toujours un. Ouais. Mais on a eu cette sensation pendant la CAN que ça manquait. Et alors, tout à l'heure, on passait chanson qui est amusante parce qu'elle reprend la fameuse phrase de Rigobert Song sur quand tu sais que tu es en danger, t'es pas en danger. Quand tu le sais pas, tu... on en avait tellement, on a tellement parlé. Et on s'est amusé de cette phrase. Ouais. Il en abusait d'ailleurs de ses déclarations. Ouais. Et finalement, ce qu'on ne voyait pas, c'était quand même sur le terrain et des prestations impressionnantes du Cameroun. Non, bien sûr. Et alors, il y a déjà deux leaders nés pour moi qui sont Anguissa et Onana, comme l'a rappelé Nabil. Il y a quelque chose qui très bon joueur qui s'appelait Dabila qui a joué à Lyon, à Lille. Et un très bon journaliste. Donc il y a ça. Moi, j'ai vu des fois le leader, c'était Castelletto. Je me disais, on en est où, quoi? C'était nul sur le terrain à plusieurs reprises, Annie. C'est Castelletto. C'est n'importe quoi. Et puis les choix tactiques. Par contre, on va mettre les pieds un peu dans le plat quand même. Ouais. Pendant le match, on voyait qu'il n'y avait pas de changement. Il faisait pas ses choix tout seul, quoi. Non, mais il y a eu des choix pendant la dernière CAN. Omar Gonzalez, il ne s'attend pas à jouer contre le Nigérien. Posez-vous des questions. Je veux dire,
Il y a tous les sélectionneurs n'ont pas été débarqués, j'ai l'impression, moi, dans cette équipe. Tous les sélectionneurs? Bah, j'ai l'impression que c'était un peu collégial, quoi. Je peux vous faire de dessin, quoi. Il y a un peu d'ingérence. En tout cas, alors l'opinion publique avait été, a été très choquée et très déçue de cette dernière CAN, et surtout, je pense, face au Sénégal, c'était Lyon contre Lyon, et on sentait qu'il y avait un enjeu au-delà peut-être du match de football, et les Lions Indomptables en sont ressortis quand même un peu maris. Mais surtout, on sait aussi donc que l'opinion publique ne voulait pas une reconduction. Bon, les médias apparemment n'étaient pas non plus trop enthousiastes quant à l'idée de Song, sans parler des résultats. Mais il y a aussi le côté politique, et là je vous rejoins. Et il y a une lettre. Alors on savait que le ministre des Sports, parce que quand même dans toute cette histoire, c'est le ministère qui paye le sélectionneur. Donc ils avaient laissé Samuel Eto'o très clairement agir pendant ces deux années. Bah, il avait remercié le dernier sélectionneur, celui qui était au Cameroun. Tony Conceição. Ça, et non lui, pas Serge. Lui, il s'est fait remercier par Eto'o, alors qu'il n'avait pas forcément fait du mauvais travail. Il s'était arrivé en demi-finale. Absolument. Et Eto'o a repris la main contre l'avis plus ou moins du ministre, puisque le ministre aurait pu souhaiter plutôt maintenir Tony Conceição. Mmh. Eto'o a eu sa chance. Ils se sont quand même qualifiés en Coupe du Monde de manière miraculeuse contre l'Algérie, mais ils se sont qualifiés. En Coupe du Monde au Qatar, ça a été un divertissement entre l'affaire Onana, mais ils accrochent le Brésil à leur tableau de chasse, et c'est quand même prestigieux. Mais c'est encore le coup du truc qui les sauve à la dernière minute, mais qui fait que vous ne remettez pas en question. Avec Aboubakar, et tout ça, il y a une belle histoire qui se raconte. Et même à la dernière CAN, attendez, mais c'est les fournisseurs officiels d'émotions. Sur le terrain, il ne se passe rien, et contre la Gambie, en 3 minutes, ils se qualifient. Donc en fait, une illusion qui perdurait. Jusqu'à ce qu'il se retrouve face au Nigeria. Mais alors, le ministre, en fait, une lettre, on a réussi à obtenir une lettre qui notifiait justement à Rigobert Song: j'ai l'honneur de vous notifier par la présente l'arrivée à terme du dit contrat, et il n'est pas possible que l'État, pour l'État, de vous reconduire dans les fonctions de manager. C'est remercier, quoi. D'où vient, c'est Samuel Eto'o qui le rend public, mais effectivement, on sent bien que le ministère était derrière et ne voulait pas le prolongement en fonction. Parce qu'ils avaient des retours, Annie, aussi, de ce qui se passait dans le vestiaire. Non, et puis des supporters. Puis vous avez raison, de l'impression également. Et des prestations qui étaient insipides, tout simplement. Alors, le problème, c'est peut-être aussi, justement, au niveau de la fédération. Maintenant, apparemment, on veut que la procédure officielle s'applique, c'est-à-dire appel à candidature, une commission technique qui examine les CV, la shortlist. Avec un gagnant déjà connu. Pardon. Et après, la présidence, parce qu'on se souvient quand même des propos du président Paul Biya au moment de la journée de la jeunesse, je crois que c'était juste après ce huitième de finale, où il n'avait pas été très très enthousiaste, ou en tout cas... Ce qui m'intéresse, Annie, pour être un peu direct, c'est de savoir si Samuel Eto'o, qui est président de la fédération, parce qu'il est le président de la fédération, est-ce qu'il va peser fortement sur le choix du nouveau sélectionneur. Il aura sûrement son mot à dire. Sur une shortlist, il y a trois noms en général. Je pose la question, est-ce qu'il souhaitait le départ de Rigobert Song? Moi, j'aimerais bien le savoir, ça. Alors, non. Clairement, je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on l'a senti, parce que sinon, ce contrat qui s'achevait le 28... On l'a laissé l'avancer, quand même. 28. Mais là, on peut se demander, pourquoi il aurait désiré qu'il reste, Chérif? Des mauvais résultats plombent aussi le résultat de la FECAFOOT. Parce qu'il a un sentiment. Alors moi, c'est juste une hypothèse. Hein. Après, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord. Probablement au niveau des hypothèses. Une relation forte avec Rigobert Song. Il l'avait choisi. Et peut-être qu'ils ont la même vision footballistique également. Mm-hmm. Peut-être que pour le coup, je pense que Eto'o, c'est un peu comme ces joueurs qui, quand ils deviennent entraîneurs, qui restent joueurs. Même s'il est devenu président de la fédération, on le voit, il reste joueur. Il vit un match. Je pense que ça lui permet aussi. Je dis pas de s'ingérer, mais de participer, de faire passer des messages, participer quelque part aussi au sportif. Il l'a fait de façon, c'est un secret de Polichinelle. Il allait parler aux joueurs après un match. Sauf qu'il est devenu président de la fédération. Un président de la fédération, il doit prendre un peu de distance et laisser le terrain aux techniciens. Après, je pense que les Camerounais n'ont surtout pas intérêt à se tromper de débat et de combat. C'est qu'il faudra revenir à ce qui se fait sur le terrain et à l'équipe. Et moi, je redis que c'est une génération extrêmement moyenne. Et quand je vois les 11 joueurs qui sont sur le terrain contre la Gambie et encore contre le Nigeria, ils ont pas du tout existé. Je trouve que peut-être qu'il y a quelques années aussi. Là à suivre où ils vont
où ils vont même un peu disparaître, parce que ce que je vois là, pour moi, ne m'incite pas à positiver sur cette équipe. Alors, il y a des matchs, il y a des journées internationales FIFA. Hein, ça sera à la mi-mars, entre le 18 et le 26. Est-ce qu'il y aura un coach intérimaire ou est-ce qu'on aura déjà le successeur ? Il y a une question qui se pose, parce qu'on est dans un moment en Afrique où on aime aller à la CAN notamment avec un entraîneur local. Ouais. Et Rigo Berson faisait partie de ce groupe des équipes qui sont entraînées par un local. Est-ce que là, vous pensez qu'on va continuer avec un sélectionneur camerounais ou pas ? Y en a-t-il d'ailleurs ? Après, il y a camerounais. Quand on dit local, c'est un peu la troisième voie. C'est-à-dire que c'est des binationaux. Quoi, c'est pas grave, ça, Nabil. Ils sont considérés dans leur pays comme ça. On pense à Emers Faye, on sait qu'il est né à Nantes, qu'il a fait ses classes en Nantes. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui... Le nom, Nabil, le nom. Ah, je sais pas, il faut demander à Samuel Eto'o, c'est lui qui dit. Il y aurait des hypothèses de... Je sais pas, moi, mais il peut y avoir aussi des retours surprenants. Il peut y avoir des retours surprenants. Bah allez, jusqu'au bout. Je peux pas en dire plus. D'accord. Non, mais... Alors, sinon, chez vous pouvez en dire plus. Non, moi, j'en sais rien du tout. Mais retour de quelqu'un qui a déjà gagné avec le Cameroun ou... Aucune idée. Ah, d'accord. J'avais une idée. Il y avait peut-être aussi une part de cynisme des taureaux qui savaient que, de toute façon, Rigo Berson était condamné et qui cherchait à gagner du temps sur la période des deux matchs... Après, entre lui et Song, je pense qu'il préfère que ce soit Song, non ? Alors, Patrick Julien, je pense qu'il savait qu'il était condamné. Il a cherché à gagner Patrick du temps. On sait que Tom Saint-Fit, qui était le sélectionneur de la Gambie, eux aussi sont éliminés en 8e. Il rentre, il démissionne et après, il y a beaucoup de. Mais on va revenir. Il y a Patrick Mboma, par exemple, qui était un peu là autour du staff, qui correspondrait très bien à ce que vous avez décrit, Annie, de ces sélectionneurs. Ayant porté le maillot national, mais ayant aussi un vécu européen, donc être capable à la fois de connaître le terroir et de mener le football un local, mais aussi de connaître la psychologie des joueurs qui évoluent en Europe. Bon, Mboma, ça pourrait être un nom, par exemple, qui pourrait correspondre. Rigo Berson n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o l'a confirmé sur le média France 24. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rigo Berson. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti, les amis. Alors, Rigo Berson n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Cette information a été confirmée par le président de la Fédération de football, M. Samuel Eto'o, sur le plateau de France 24, les amis. Donc, Rigo Berson, moi, je vais plutôt dire que c'est mérité, c'est logique, parce que lorsque tu regardes les résultats de Rigo Berson, pour moi, c'est catastrophique. Pour moi, le bilan de Rigo Berson avec la sélection du Cameroun, c'est catastrophique. Oui, on va me dire que non, il est le premier sélectionneur à avoir qualifié le Cameroun en CAN et en Coupe du Monde. Mais pour moi, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. C'est juste l'arbre qui cache la forêt. Parce que lorsque tu regardes sur le plan comptable, franchement, c'est vraiment très mauvais. Très mauvais. Dans le jeu, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien dans le jeu. Lorsque le Cameroun joue, on comptait seulement sur la chance. On gagne la Gambie. Pour moi, c'est la chance. Hein. Pour moi, c'est la chance. Ce n'est pas une tactique. Ce n'est pas le fond du jeu. C'est purement la chance. Purement. Purement. Donc, est-ce qu'on devait continuer à miser sur la chance, sachant que la chance seule n'a jamais remporté une compétition? Retenez bien ça. La chance seule n'a jamais remporté une compétition. Autant, il te faut un peu de chance pour pouvoir remporter la compétition. Mais si tu comptes seulement sur la chance, tu ne remporteras aucune compétition. Et je l'avais dit ici, là, beaucoup de personnes me disaient que non, Rigo Berson, il a les mains liées, il n'est pas libre, etc. Si tu sens que tu n'es pas libre, démissionne. Lorsqu'on te nomme dans un poste de responsabilité, si tu sens que tu n'as pas les mains libres, il faut démissionner. Parce que lorsqu'on fera le bilan, les gens ne vont pas gérer que tu n'avais pas les mains libres. Tout le monde va seulement dire que non, c'est toi qui occupais ce poste-là. Donc, c'est toi qui as les comptes à nous rendre. C'est toi qui as les comptes à nous rendre. C'est toi sur qui on va faire le bilan. Ton bilan sera l'objet de notre analyse. Et le bilan de Rigo Berson, pour le coup, c'est très très mauvais. Pour être poli, très mauvais pour être poli. C'est très mauvais, les amis. Très très, les gars. Très très très. Il n'a même pas atteint 8 victoires. Son bilan est très mauvais.
très mauvais avec la sélection. Donc, pour moi, c'est logique. C'est tout à fait logique. Rigobertson devait démissionner depuis lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas les mains libres, soi-disant, il devait démissionner. Il devait démissionner. Maintenant, Samuel nous fait comprendre qu'il cherchait un entraîneur expérimenté. Vu ses propos, à l'entendre parler, c'est comme s'il souhaiterait se pencher vers un entraîneur international. Donc, on va peut-être oublier la piste d'un entraîneur local. Moi, je ne suis pas contre. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Même si on prend un entraîneur qui vient du Pakistan, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux les résultats. Si on amène un entraîneur qui vient de l'Ouzbékistan, du Pakistan, de la Russie, n'importe où, s'il est compétent et qu'il apporte les résultats, moi, je suis partant. Les amis. Ce qui m'importe, ce sont les résultats. Peu importe l'entraîneur, peu importe la nationalité, je ne gère pas la nationalité. Oui, si on prend un entraîneur local qui a les résultats, qui apporte des trophées, pourquoi pas? Mais moi, je veux des trophées, je veux les résultats. Et pour le coup aussi, Rigobertson n'a pas assuré. Donc, c'est plutôt logique. Lorsque je disais que Rigobertson ici, pour moi, on devait le virer depuis, certaines personnes venant en commentaire me disent que non et tout. Je fais juste une analyse de manière froide, de manière lucide. Et ce qu'on pouvait constater de Rigobertson, c'était très mauvais. Très mauvais, les amis. Très, très mauvais. On donne le point de vue sur ce qu'on voit sur le terrain. Quand on te nomme dans un poste de responsabilité et que tu n'as pas les résultats, il faut avoir l'intelligence toi-même de démissionner avant que les choses ne te quittent. Tu dois avoir l'intelligence toi-même de démissionner. Donc, les amis, pour moi, c'est plutôt mérité, les amis, c'est plutôt mérité. Et on espère que le prochain sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun nous fera remporter des trophées. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur Rigobertson. Est-ce que tu penses que c'est logique de ne plus continuer avec lui? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.